Le son est très fort, mais bonjour à tous. Bienvenue sur un faux Buckshot roulette qui s'appelle Buckshot Frenzy, qui est donc sur Roblox. Hein. Bien évidemment, je ne vous le cache pas, je passe ma vie sur Roblox en ce moment. Avec ma cousine, comme d'hab, on découvre de plus en plus de jeux. Alors, j'avais vu qu'un Buckshot existait, pour le coup, mais il était un peu éclaté, je vous avoue. Attendez, parce que j'ai trouvé... Arrête d'ouvrir des portes tout seul. Faut que je trouve une place. Donc on a passé la nuit à jouer ensemble. Mais a priori, je peux jouer seul. Voilà, regardez. On va mettre oui. Et donc, je vais jouer à la souris cette fois. Alors, c'est pas tout à fait pareil. Hein. C'est pas tout à fait les mêmes règles. Mais c'est le même concept. Donc là, j'ai chopé deux objets. On va se le caler là. Et toi, on va te mettre là. Allez. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, bah c'est une roulette russe. Ok, alors là, il y a 3 rouges, 3 blanches. Donc 3 vraies et 3 fausses. Ouais, je vais y aller au culot, on va commencer par une fausse et je vais me tirer dessus. Eh bah merde, c'était une vraie, ça commence fort. Là, je perds un point de vie. Ah, oh, puis il y a des bonnes basses là. Pourquoi c'est encore à moi de jouer? Je viens de me prendre une balle, ça devrait pas être à moi. Ah non, d'accord, oui, je viens de comprendre, ok. C'est lui qui a pris le flingue et... Ouf! J'ai vraiment le son à fond, ça me tabasse les oreilles, mais qu'est-ce que c'est stylé. On va tenter une canette, donc ça va me vider une la balle qui est en chambre. En espérant que ce soit une bleue. Je vais tenter. Je vais scier le canon pour doubler les dégâts. En espérant que ce soit une rouge. Peut-être que je me trompe. Normalement, il reste, si je me trompe pas... Il reste qu'une rouge et une bleue. Deux bleues. En fait, j'aurais peut-être pas dû scier maintenant. Ah, merde. J'ai gâché la scie pour rien. Il utilise un cierge. Alors, je sais que c'est un cierge, enfin une bougie. Mais pour le délire, on disait cierge, donc je vais le garder en tête, ça. Ok, mec. Ce serait con que ce soit une rouge, hein. Ah, le bâtard. Bon, bah, va être pour moi, celle-là. Bah oui. Eh, super. Pardon. Allez, un serge, des menottes, ok, 3 rouges. Donc là, ça va être un peu plus tendu. Là, je vais utiliser un serge. Trois rouges. Ah oui, évidemment, évidemment, enculé, va. Putain, j'ai voulu me la mettre en plus, celle-là, hein. Allez, c'est une rouge, ça. Allez, pour Bibi. Ah bah oui, bah alors là, je vais prendre un double. Donc on a utilisé une rouge, une bleue, ça veut dire qu'il reste encore une bleue et deux rouges. Franchement, je vais le menoter. Bon bah je vais quand même me prendre une rouge dans la gueule.
Donc là, déjà, je vais commencer par un Serge. Ok. Donc là, on a trois bleus. Oh, j'ai déjà oublié. Trois bleus de rouge. Bon, je vous dis, il est 4h50 du matin, donc je suis un peu fatigué, donc je suis pas très concentré. Mais c'est vraiment parce que je suis dans la hype du jeu depuis tout à l'heure et j'avais envie d'en faire une vidéo dessus. En vrai, on va regarder. On va regarder la balle en chambre pour voir. Ok. Je vais prendre le risque deux fois de suite. Je vais peut-être le regretter. Je vais être gourmand. Je suis ravi. Bon, ça peut être la dernière bleue, mais je vais le tenter. Oh, mes oreilles, ça me flingue les oreilles. Mais qu'est-ce que j'aime ça? Allez, bah oui, bah toujours plus. Des Serges, encore des Serges, hein. Tricheur, va. Il s'allume son petit joint, là. Ah oui, c'est facile ça, monsieur. Là, je me prends la prochaine, c'est ça? Bon, par contre, il faut se l'admettre, hein, pour un jeu Roblox, il est super bien fait, hein. Franchement, je le trouve très très propre. Oh putain, ça va être une belle manche. 4 vrais, 4 fausses. Alors, de toute façon, bah là j'ai perdu en fait. Le mec a deux menottes, bah ça sert à rien que je continue. Oh bah allez, oh bah. Bah là. En plus, ça surprend, tu sais. Ça me fait pas sursauter, mais ça me surprend. C'est facile ça, hein. On va reprendre une petite revanche quand même après, parce que bon. Bah oui. Évidemment, monsieur. Allez, bisous! J'ai perdu. Bon allez, la nuit n'est pas terminée. Bon, je suis vraiment qu'à 7 victoires. Je suis pas très doué. On s'en fait une là, je vais affronter le monsieur. What, c'est quoi le skin de Joseph là-bas à côté, là, regardez. Il est stylé. Donc oui, j'ai branché ma souris à ma console. Pour que ce soit plus stylé, je trouve. Enfin, c'est plus agréable à jouer. Parce qu'en vrai, je pourrais juste jouer avec ça, mais en gros, ça c'est mon joystick. Qui bouge. Vous voyez? Oh, deux Serges. Du coup, avec la souris, je vise vraiment mieux. Donc, on a deux rouges et deux trois balles à blanc. Alors, franchement, on se l'attend direct en couillu. Ok. Est-ce que j'ai deux couilles ou une seule? Moi, j'en ai deux. Et je vais le regretter. Ça va me fumer les oreilles. Bah ouais. Bon, c'est pas grave, j'ai un Serge. Je suis vraiment en train de m'ambiancer de ouf. À chaque fois qu'elle est basse là, je hoche la tête, je danse de la tête. Donc là, j'ai oublié ce qui se passait. Logiquement, il me reste deux bleus, je crois, et une rouge. Ou une bleue, une rouge. Non, deux bleus, je crois. Oh, ta mère aussi, là! De toute façon, c'est qu'un jeu de chance, hein, clairement. Il y a juste un peu de stratégie, mais
C'est de la chance. Et moi, je n'en ai jamais eu de ma vie. Je ne connais guère la chance. Pardon, je suis juste en train de regarder autour de moi ce qui se passait. Je n'avais pas vu que le mec me tendait son flingue. Tout ça pour me narguer. On va mettre ça là-haut. Allez. Ok. Donc le mec a un couteau pour me défigurer la gueule. Allez, ça y est, ça commence. Ça marche, on fait comme ça. Ok, couillu, couillu. Bah, de toute façon, oui, c'est un ordinateur, hein. Comment tu veux qu'il perde? L'IA est intelligente. Elle sait ce qu'il y a dans le canon, elle. Elle peut faire semblant des fois de me laisser la gagne, mais elle sait ce qu'il y a dans le canon. Bah oui. Bon, bah là, il reste qu'une seule bleue et deux rouges. Oui, voilà, je vais me les prendre dans la gueule. Allez, bouchez-vous les oreilles. Hein? T'es sérieux? Mais pourquoi tu l'as coupé alors? Ah d'accord, le tricheur. Non mais le mec savait tout déjà. Oh ça me saoule en fait, c'est pas drôle de jouer contre un ordi. C'était beaucoup plus fun avec ma cousine en fait. Parce que du coup le mec sait tout en fait, donc ça sert à rien. Enfin je sais pas comment est fait l'IA, s'il y a des chances pour qu'il me laisse gagner ou quoi, mais concrètement le mec sait ce qu'il y a dans le flingue quoi. C'est pas marrant. Bah oui! J'ai zéro chance de gagner. Puis surtout que ça dépend aussi des objets qu'on me donne. Là, en l'occurrence, ça va pas me servir à grand-chose. Bon, déjà un Serge. Dans tous les cas, le mec m'en met une, hein, derrière. Voilà, en plus, tu vois, c'est moi qui ai la bleue, ça m'arrange même pas. J'aurais préféré que ce soit lui qui tombe sur la bleue pour éventuellement essayer de me tuer avec, mais non, non, de toute façon. Donc là, il va s'en prendre deux dans la gueule. Mais moi, j'en prendrai une derrière. Après, l'avantage, c'est que ce sera à moi. Mais enfin, bon, lui, il a un Serge, donc en fait, c'est comme si j'allais lui mettre qu'une balle. C'est bien fait, hein. Par contre, le mec qui se relève et tout là, comme ça là. Oui, j'allais lui remettre des menottes, mais non. Ouais, c'est logique. Puis là, tu vas voir, il va rechoper deux Serges après. Je le mets là, de toute façon, je vais l'utiliser. Ok, deux rouges. Bof, il a chopé quoi, lui? Ouais, super. Je préfère clairement tout utiliser. Tant pis. J'aurais plus rien après, mais au moins je vais lui mettre deux balles dans la gueule. Oui, de toute façon, on avait vu que c'en était une rouge. Voilà. Et là, on va regarder ce que c'est. Bah, tu vois, ça m'aurait arrangé que ce soit encore la rouge. Parce que j'aurais pu rejouer dès le prochain tour. Mais non. Ah bah non, de toute façon, c'est lui qui aurait eu le bleu. Bah non, en fait, non, je dis de la merde. Tiens. Donc on est à égalité. Le problème, c'est que lui, il a beaucoup plus de stuff que moi. Qu'à tout moment, il chope deux Serges. Et là, je vais me faire foutre. Ok.
Rouge de bleu. Ben tiens, il y a un Serge. Allez, va te faire enculer, je sais pas. 4 menottes, le mec qui joue 10 000 fois s'il veut, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bah regarde. Je sais même pas pourquoi je me posais la question de si j'allais avoir une chance de gagner. Il va m'enlever les bleus, tu vas voir. Parce que le jeu a été fait pour ça. Le jeu savait qu'il y avait une bleue, donc il pouvait l'enlever. Ok, il reste une rouge, si je me la prends. Bah, il n'y a plus de rouge. Pour le tour, en tout cas. Ouais, bien fait pour ta grosse gueule. Il fait semblant d'être débile, mais il sait très bien qu'il triche. Oui, en fait, dans tous les cas, là, il a juste à me donner le flingue les 3 fois de suite, là, ou 2 fois. Et il rejoue au prochain tour. Donc, je suis pas plus avantagé. Bah oui. Ça va être chaud là. J'espère vraiment que c'est une rouge. Je te jure, j'espère que c'est une rouge. Et là, je peux gagner. Bah évidemment. Et puis là, tu vas voir, il va me mettre des menottes. Je vais me faire foutre. À tout moment, il va découper le canon. Voilà, ça c'est super drôle ça. On va rigoler, hein. Ouh, c'est trop marrant comme jeu. Et bah ouais. Bah, tu vois, je pensais que je m'amuserais plus en vidéo avec vous sur un ordi. En fait, non. Non, non, c'est éclaté. Déjà, j'avais les réactions de ma cousine et tout, donc on se marrait bien ensemble et tout, à tirer partout, à jouer au con, à se menotter tout ça. Je m'en foutais un peu de perdre. Mais là, en fait, je me dis que l'ordi, c'est tout, donc c'est un peu de la triche, et du coup, bon, c'est juste nul. Le mec a juste à faire semblant au moment de se tirer dessus ou de me donner la balle, et puis voilà, bam, je tire. Mais en fait, non. Le gars a toutes ses chances de gagner. Là, en vrai, il a juste fait le débile pour pas me noter. Mais à tout moment, il le faisait, il gagnait, quoi. De toute façon, c'est fini, là, il me note et il a gagné. Bon bah voilà. Ah waouh, je me suis amusé comme un dingue. Allez! Super, je suis content. Bon, bah écoutez, j'espère quand même que ça vous a plu. Je suis un peu déçu en fait juste de pas pouvoir jouer avec ma cousine et faire des vidéos avec vous parce que bah voilà sur Discord je ne peux pas enregistrer sa voix parce que un PS5 faut payer 8 000 balles. C'est pas vrai, mais faut payer quand même très cher tout ça pour ne même pas avoir Discord dessus. Trop bien. Donc voilà, hein, de la merde. Malheureusement, je ne pourrai pas avoir ses voix, ses réactions, tout ça, donc je suis obligé de jouer seul à Roblox, enfin du moins en vidéo avec vous. Donc c'est un peu dommage, on s'amuse pas de la même manière. Comme vous avez pu le voir, c'était pas trop l'éclate pour moi. Bon, le jeu est bien, hein, mais c'était pas aussi palpitant que quand j'étais avec elle. Hein, l'ordi c'est tout, l'ordi il gagne, donc bon voilà. Je peux emote? D'accord. J'ai pas compris. Mais moi je vous dis à la prochaine, salut!